Regina Celi, letare, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. En ce lundi de Pâques, nous sommes tout à la joie de la belle fête de la résurrection que nous avons vécue hier, ou plutôt dès avant-hier soir, durant la vigile pascale, et pendant bien sûr la messe du jour. Cette joie qui s'est exprimée en particulier grâce à la ferveur que nous avons voulu manifester par la musique et le chant. Et je voudrais aujourd'hui dire en votre nom à tous un très grand merci à Arnaud, notre organiste, à Mathilde, notre chef de chœur, à Roselyne et à François, et sans oublier bien sûr Arthur, l'époux de Mathilde, qui hier, pendant la messe du jour, était à la manœuvre pour orienter les caméras. Cette joie, elle s'est prolongée l'après-midi par la procession du Saint-Sacrement, une joie émue. Et cette émotion, je l'ai partagée avec ceux et celles connus et inconnus, rencontrés pendant 7 heures et demie de procession, juste après la pluie, donc sous le soleil. C'était un autre petit clin d'œil du ciel, du jour de Pâques. Une joie que nous avons aussi partagé en communauté, comme vous allez pouvoir le voir dans quelques instants, c'est la petite surprise d'aujourd'hui. Et une joie qui demeure aussi grâce aux enfants qui ne se lassent pas de chanter pour nourrir notre espérance. Et ce sera la deuxième petite surprise du mot du curé de ce jour. Enfin, notre joie aujourd'hui, elle est aussi nourri par les bonnes nouvelles que nous avons reçues de l'hôpital de Trappes ce matin, donc vers 10 h 30. Le médecin que le frère Jean-Marc a eu au téléphone lui a dit que notre père était parfaitement conscient et qu'il répondait aux demandes qu'on lui faisait, qu'au niveau pulmonaire, c'était pas mal du tout, donc il a été extubé. Cependant, il n'a pas récupéré les fonctions rénales, mais cela n'inquiète pas outre mesure l'hôpital, le service de néphrologie dans lequel il est. Donc, il est toujours très suivi à ce niveau-là. Donc, nous continuons à prier le Seigneur par l'intercession de notre Père, Jean-Léon le Prévôt, pour obtenir sa guérison totale et définitive. Donc, cette joie que nous portons en nous, eh bien, elle va demeurer et elle va grandir de jour en jour. Alors, haut les cœurs, vive la joie et puis très bonne journée en compagnie de Jésus et de Marie, notre mère. À bientôt. Je laisse la parole à d'autres frères. Joyeuse fête de Pâques à tous. Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Éclate Et dans le voilà, juste devant le ciel. dessert Voilà. préféré du Père Gilles. Juste devant. Incroyable. Père Germain, c'est vous. À vous, Père Germain. Alors, joyeuse fête de Pâques à vous tous qui vivez cette fête de Pâques dans l'église domestique qu'est la famille. Et nous sommes unis à vous tous. C'est bien, c'est bien. Alors, c'est la première fois que je fête Pâques dans ma paroisse. Depuis 1965, je la connais, je suis un enfant du quartier et je vous souhaite à tous une très bonne fête de Pâques. Merci. Très joyeuse fête de Pâques à tous. Malgré ce confinement, nous sommes tous unis dans cette charité qui nous réunit par les ondes. Et nous sommes heureux de vous annoncer qu'aujourd'hui, le Père Lucien, eh bien, a été extubé, c'est-à-dire qu'au niveau pulmonaire, ça va quand même beaucoup mieux. Donc évidemment, il lui reste du chemin à parcourir. On prie toujours pour lui. À bientôt. Ah non, pas moi.
Merci Arnaud. Très joyeuse fête de Pâques à tous, musicalement vôtre. Voilà. Amen. Très bonne fête de Pâques et soyez assurés que mes communions sont faites à vos intentions. Merci. Ah. J'étais ému ce matin de chanter en votre nom à tous à la messe et je suis heureux de manger en mon nom à moi, pendant que vous aussi fêtez ça aujourd'hui. Merci. Joyeuse fête de Pâques à vous tous. Quels que soient les événements, le Christ est ressuscité et il est vraiment ressuscité. Bye. Gérard. Ah, eh bien, je vous souhaite une très bonne fête de Pâques et une très joyeuse fête de Pâques. Merci, Gérard. Amen. Alléluia. Alléluia.